سرلي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي سلبري بري أينيزي البريغا وي بريغا زنكي دبتجي والسلام عليكم ille koy sabu irgawar sabu da hunkuna marga kan war te ir se kan war te ir maga kan war te muhammad usman se ai sabu irkoy Maran Ardol Kadal. Ama Irina Chelsea. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes de Tel Aviv, j'ai choisi de lancer ma campagne du deuxième tour des élections présidentielles dans la région de Tel Aviv, une région, tout comme la région de Diffa, meurtrie depuis des années par des attaques répétées de terroristes qui tuent, qui rançonnent et entravent les activités paisibles de paisibles citoyens. Déjà éprouvés par la dureté de leurs conditions de vie, pour ne pas dire conditions de survie. Mes chers frères et sœurs, si j'ai choisi de lancer ma campagne ici, à Tel Aviv, c'est d'abord pour vous remercier très chaleureusement de la marque de confiance que vous nous avez témoignée avec brio lors du premier tour des élections présidentielles, mais également et surtout pour vous faire part, tout comme à la population de Diffa et de Tawa, entre autres, de notre ferme volonté de juguler l'insécurité et le terrorisme sous toutes ses formes, car il y va de l'existence même de notre nation. Il est de notoriété publique que les autorités actuelles ont démissionné devant leur devoir d'assurer une riposte adéquate avec des moyens convenables contre ce banditisme armé qui sévit dans notre pays. Elles ont par la même occasion exposé nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ainsi que la population civile de ces régions, à une insécurité généralisée et permanente du fait de la récurrence d'actes barbares perpétrés par des individus sans foi ni loi contre de paisibles citoyens, en déliant ainsi des centaines de familles. Je vous demande, mes chers concitoyens, d'observer une minute de prière, de silence ou de recueillement selon vos intimes convictions. Je vous remercie. Comment comprendre que, malgré la présence de forces étrangères qui devraient appuyer le Niger à combattre cette insécurité, ce terrorisme, malgré cette présence massive, dis-je, notre pays a connu des hécatombes. Et rien que la région de Tel Aviv
ici où nous sommes, il y a eu Tongo Tongo, Shinagoda, Inates, Chombokaina, Zarundare, Dalanzuru, et d'une manière générale, dans tout le Sangay. Hey. Ah. Ça va continuer comme ça? Haba! Haba! What do you want to do? Kabanda Hayuri! Haba! Mes chers frères et sœurs de Tillabéri, je mesure à sa juste dimension le martyre que vous vivez depuis plusieurs années. Votre situation actuelle est injuste, insupportable, inacceptable tout simplement. À l'instar de nos autres frères de Difa, l'insécurité a complètement déstructuré la vie sociale et économique de la région. Et des questions essentielles se posent à nous tous. Oui, comment cultiver, comment labourer sans sécurité? Comment conduire le bétail au pâturage sans sécurité? Comment aller à la pêche sans sécurité? Comment faire du commerce sans sécurité? Comment aller à l'école, soit enseigner, soit apprendre sans sécurité? Comment se faire soigner sans sécurité? Comment peuvent rayonner notre art et notre culture sans sécurité? Tout à l'heure, j'ai écouté avec attention et émotion la chanson des années 60, quand nous étions jeunes. Niger Sinera, Irlabo Sinera. Hé, hey, Jama! Il y a pas de nous-mêmes. Où est-ce qu'on va aller comme ça? Elles sont nombreuses, les questions essentielles. Mais elles se résument toutes en une seule interrogation. Comment mener une vie normale lorsque rendre visite à un parent ou à un ami dans un autre village devient un véritable parcours de combattant pour chaque citoyen de ce pays? Mes chers frères et sœurs, si la question sécuritaire est résolue et si nous nous y attelons, Inch'Allah, avec le sérieux que mérite cette question, les perspectives de développement de la région de Tillabéri, qui regorge d'un potentiel économique inestimable, sont réelles. Et j'ai pu même affirmer que la mise en valeur de ce potentiel peut se faire de la région de Tillabéri, peut faire de cette région-là une région phare de notre pays et même de la sous-région ouest-africaine. En effet, la première ressource connue de tous est le majestueux fleuve qui a donné son nom à notre cher pays, le fleuve Niger. Le projet de barrage de Kandaji, comme vous le savez très bien, qui me tient à cœur, rappelez-vous des premières heures de ma précédente élection, élection au suffrage universel direct dans un contexte de pluralisme politique, les actes que j'avais posés à cet effet-là. Achat, ça fait maintenant quelques décennies que nous sommes pratiquement au même point de départ. Vous le savez, les différents déboires connus par ce projet, liés à l'inconséquence de la gouvernance actuelle en cours, avec les multiples opportunités qu'elle offre, la construction de cet important ouvrage et son exploitation sur des bases saines et durables
figure parmi nos priorités en vue de garantir notre indépendance énergétique, en vue de promouvoir la production halieutique et d'assurer la navigabilité du fleuve de manière quasi permanente. Grâce à la maîtrise de l'eau qu'il induira, cet ouvrage rendra également possible l'exploitation de milliers d'hectares agricoles pouvant nourrir pratiquement tout notre pays. Faire de la région de Tillabéri un pôle de développement agro-pastoral, halieutique et agro-industriel figure au premier rang de nos priorités. Oui, en plus de son énorme potentiel hydro-agricole et hydroélectrique, la région de Tillabéri renferme aussi dans son sous-sol des ressources minières, pétrolifères, gazières, importantes, insoupçonnées, dont l'exploitation adéquate améliorera de manière significative le cadre de vie de nos populations. La mise en valeur de ce potentiel économique devrait à terme favoriser la création de milliers d'emplois au profit des jeunes et moins jeunes, aujourd'hui exposés à une misère qui en fait des proies faciles aux aventuriers de tout acabit. Mes chers frères et sœurs, comme je le disais dans mon allocution de lancement officiel de la campagne, un autre Niger est possible. Donc, une autre région de Tillabéri est possible. Pour cela, je vous demande de vous mobiliser encore davantage pour le scrutin du 21 février prochain et assurer les conditions de la mise en œuvre du programme que je propose au peuple nigérien souverain. Un programme qui vise l'avènement de Niger de paix, d'unité, de développement partagé et de progrès pour tous. Ce programme est centré sur 7 grands axes prioritaires, ce que j'appelle les 7 E de l'émergence du Niger, de ce gouffre dans lequel le gouffre du système l'a plongé depuis 10 années aujourd'hui. Il se décline en ses grands axes suivants. D'abord, l'eau. Oui, l'eau, tout simplement. L'éducation, dans tous ses volets, depuis le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, et l'innovation et la recherche. L'emploi, oui, la question clé, la question phare, l'énergie, l'environnement, l'équipement et l'équité. L'équité. Mais, chers frères et sœurs, les questions sécuritaires, sanitaires, judiciaires et diplomatiques, comprises dans le volet équité de mon programme, seront le repère principal dans la mise en œuvre de ma vision pour le Niger de 2030. Mes frères et sœurs de Tillabéri, vous êtes venus très nombreux à cette rencontre fraternelle et j'y vois la traduction de notre volonté commune de sauver le Niger. Oui. Sauvons le Niger. Sauvons le Niger. Jama Akulu Aïssa Bougoumo Goumo Aransi. Aïe Jama Akulu Fondogoy. Irukai Maharam Berendi. Sauvons le Niger.
sauvons le Niger. Assalamu alaikum.